La question qui pique. Quelle puissance de toi refuses-tu avec toute cette merde que tu gardes en faisant semblant que c'est vraiment toi avec tes peurs, tes doutes et tous tes points de vue? Là, c'est quand on va se chercher des excuses. Chaque self-consciousness, la peur et les doutes sont des implants distracteurs, ce sont des notions, des émotions qui nous font stagner, nous empêchent d'être nous-mêmes, nous détournent, nous bloquent pour nous détourner de faire ce qui serait contributif pour nous et ce qui serait nous, finalement. Si ça demande du courage d'accéder à sa puissance, d'être qui on est vraiment, parce que ça peut étonner certaines personnes dans notre entourage, ça peut les rendre mécontents, ça pourrait même les faire partir, on pourrait être jugé, on pourrait avoir plus de responsabilités. Donc on se raconte des histoires, on se cherche des excuses, on achète des choses comme vraies et réelles qui sont du gros bullshit, juste pour rester petit. Alors si tu lâchais la merde et que tu arrêtais de te raconter des trucs de merde pour ne pas être toi et pour ne surtout pas changer, qu'est-ce que ça crée? Quelle puissance refuses-tu avec toute cette merde que tu gardes en faisant semblant que c'est vraiment toi, tes peurs, tes doutes et tes points de vue? Je sais même pas quoi ajouter pour la fin. Bon courage, amuse-toi bien. Bisous!